Les 145 territoires de la RDC doivent être développés. C'est le programme d'urgence du gouvernement congolais piloté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui va de 2021 à 2023. Il s'agit dans plusieurs axes prioritaires, notamment l'économie, la pêche et autres, a dit le conseil chargé de projets et partenaires au ministère d'État du Développement rural, l'honorable Donat Amissi. Il s'agit d'un programme initié par le président de la République qui est implémenté sous la coordination du gouvernement avec le pilotage du ministère du plan. Ce programme en fait c'est un programme d'urgence pour booster l'économie des 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de collecter toutes les données relatives à l'économie de l'Ituri. C'est ça la mission qu'ils sont venus faire. Pour sa part, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir initié ce programme qui implique les autorités de base. C'est une opportunité pour laquelle nous dressons ici ces paroles au nom du gouverneur de province. Nous rendons un vibrant hommage au chef de l'État, non seulement par son souci de voir Ituri pacifié, mais aussi surtout de voir la base se développer. Je n'ai cessé de le dire à qui veut l'entendre, Ituri n'a pas besoin de caisses de péréquation pour se développer. Ituri a tous les moyens, c'est seulement l'homme. C'est l'homme qui est l'obstacle au développement de l'Ituri, que nous sommes, nous, hommes que nous sommes. Voilà pourquoi nous rendons hommage au chef de l'État pour son souci. Et nous souhaitons la bienvenue à la délégation qui est venue nous accompagner. Pour ainsi dire, au nom de M. le gouverneur de province empêché, nous déclarons ouvert le lancement des activités concernées. Notons qu'il dira 4 jours, les AT des 5 territoires de l'Ituri, la société civile et autres couches impliquées dans ce programme vont collecter des données reprenant les besoins essentiels de leurs entités. La situation sécuritaire dans la province de l'Ituri ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation des membres du panel qui accompagne le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine en provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyan Kachomadjouni. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême des FARDC, sa mandature à la tête de l'Union africaine, et nous a désignés. Et parmi les piliers stratégiques, paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège. Et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, le mental, l'engagement. Et nous sommes venus vraiment plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse Tombalouaba d'appeler les groupes armés réfractaires au processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale, vous avez votre place dans la nation. Non pas comme porteurs d'armes, non pas comme violeurs, non pas comme destructeurs de vie, mais comme constructeurs. Venez participer à la reconstruction de l'Ituri qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Il faut dire que, durant son séjour en Ituri, la délégation va rencontrer différentes couches sociales, suivies de la visite de militaires blessés internés à l'hôpital général de référence de Bunia, qui ont versé de leur sang pour la défense du territoire national. Le militaire blessé interné au pavillon militaire de l'hôpital général de référence de Bunia, réconforté par les femmes leaders de la RDC et celles de l'Ituri. Pour ce faire, elles ont apporté une enveloppe à ces vaillants militaires qui ont consenti leur sacrifice pour défendre l'intérêt de la nation au sacrifice suprême de leur sang. De quoi réjouir ces bénéficiaires. Nous allons blessés. Na kombo ya bakonzi na biso chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na délégation oyo bakanisi biso lelo koya ko remettre biso enveloppe tozana esengo mingi tozali kolanda traitement malamu nde yango moni nzoto pe ezali kozonga kolongono tozalaki baoyi déjà mais tellement bakonzi na biso balingi biso mingi balingi pe kotika biso te ndo moni biso lelo totelemi nde topesi bango merci. Merci Ming, la délégation. Madame Thérèse Olinga, chef de la délégation, inscrit cette visite sous le signe de la paix, de compassion et de solidarité aux populations de l'Ituri. Nous sommes des femmes leaders venues de Kinshasa, la mission des Aoulines, pour réconforter nos sœurs, nos parents, les communautés qui vivent les affres du conflit dans cette province de l'Ituri. Nous ne pouvions pas rentrer sans venir rendre une petite visite de réconfort à nos blessés de guerre. Donc nous sommes venus leur dire merci pour ce qu'ils font pour la RDC. Mais en même temps, à travers vous, qu'on voie ces images qui font mal et qu'on comprenne vraiment qu'il nous faut la paix. Signalons que ces femmes leaders de la RDC ont effectué ce mardi une visite à la population de Nyakoundé et du Marabou en territoire d'Irumu. Ces deux entités, jadis théâtre des opérations, aujourd'hui pacifiées, où la population va librement dans leurs occupations, résultat de l'état de siège. Les séjours du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Beni a été très surchargé. Le général d'armée Mbala Mounce Célestin a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Ouicha, ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons canines situé au camp Chikotitamba la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accordé des audiences à certaines couches de la population, notamment les forces vives, la FEC, les parlements des jeunes, les notables, les associations des taximènes moto, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter les routes d'intérêt national et mettre fin aux embuscades. J'étais très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisque quand même on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord déterminer surtout la route des terrains nationaux, puisque ça nous tire vers en bas. On ne sait pas progresser, puisqu'il y a beaucoup de terrains sur la route, et on l'a demandé, il nous a promis qu'il va faire des sommets. À l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison de Beni, constitué essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un mess des officiers et autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Mbala Mounce Célestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Utilisez bien ce matériel à bon escient en veillant à ce que soit bien entretenu pour une durée assez longue. Notons que les séjours du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre d'évaluer la capacité opérationnelle et autres résultats des opérations militaires dans la région de Beni depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes. Lancement ce samedi 6 novembre 2021 par l'autorité provinciale du Nord Kivu des travaux de réhabilitation de l'axe routier allant de Beniville à Mangina sur la route nationale numéro 44. L'ego de ces travaux sur ces tronçons routiers long de 32 km a été donné par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constantin Ndima Kongba. Les cérémonies relatives se sont déroulées au niveau du rond-point Nyamwisi au centre-ville de Beni. L'importance socio-économique et stratégique de cette route Beni-Mangina n'est plus à démontrer car elle facilite les échanges entre les habitants des villes de Beni et de Butembo avec les compatriotes de l'ex-province orientale. L'entretien de cette route facilitera aussi les forces de sécurité à mener promptement leurs opérations, comme le rappelle ici Maître David Kamoua, conseiller principal du gouverneur des provinces en charge des reconstructions. Nul n'ignore l'importance d'une route comme celle dont nous allons lancer les travaux. C'est une route à la fois d'importance capitale pour ce qui concerne l'économie de ces entités, mais également une route d'intérêt stratégique sur les plans sécuritaires. Signalons que les travaux à exécuter sur cette tronçon Beni-Mangina par la société de services Viumbira SSV en sigle consisteront au rechargement, reprofilage ou nivellement au compactage de 6 mois. À cette occasion, le gouverneur Constantin Ndima a réitéré sa détermination à remplir ses devoirs de reconstruction aux côtés de la grande mission lui confiée, celle de traquer les ennemis de la paix. Vous voyez cette route, le conseiller en matière des infrastructures l'a dit, c'est une route d'intérêt capital pour nous. Donc le trafic sur cette route, donc d'ici Beni-Mangina, et aussi ça peut nous faciliter aussi, nous, comme forces armées de la République démocratique du Congo, pour le besoin stratégique des opérations. Signalons que juste après le lancement des travaux, le conseiller principal en charge des reconstructions, David Kamoua, a procédé à la visite de ces tronçons jusqu'à la limite du Nord Kivu et de l'Ituri. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Koukalipopo, est rentré à Goma ce 6 novembre 2021. L'autorité revient d'une mission de paix à Bukavu dans le cadre de concertation entre les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Ils ont échangé sur les défis et les actions urgentes en faveur de la paix dans les 3 provinces précitées. En termes de défis, l'autorité parle de la logistique et de la viabilité de l'état des sièges. Dans un premier temps, la coexistence entre les actions de l'armée et les actions de la police, et lesquelles actions mises ensemble doivent booster l'état de siège vers l'avant. Vous savez que l'Ituri et le Nord Kivu sont en état de siège, contrairement au Sud Kivu. Et les mailles qui bloquent la manière dont nous devons réaliser l'état de siège, notamment les défis que le gouvernement central doit réaliser, par exemple en termes de logistique, en termes de viabilisation de l'état de siège. Parce que toutes les populations réclament à ce que l'état de siège, c'est très bon, mais il faut que ça aille quand même suffisamment assez vite pour pouvoir libérer ces problèmes, ces territoires de toute la criminalité, des groupes armés et des forces négatives. La collaboration avec les autorités coutumières et autres sont entre autres nouvelles orientations pour parvenir au succès de l'état des sièges qui n'est rien d'autre que la paix durable. La manière dont nous devons collaborer avec les autorités anciennes locales, les chefs coutumiers et autres, parce que vu que parmi les grands problèmes qui bloquent un peu le travail de l'état des sièges, ce sont les problèmes coutumiers, les problèmes fonciers et les problèmes de leadership. Et nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pouvons discuter avec les chefs coutumiers pour que nous puissions leur permettre de fonctionner et qu'ils permettent également que l'état de siège puisse travailler avec eux pour pouvoir sortir ces villages et autres chefferies de l'obédience des groupes armés. Ce cadre de concertation entre les 3 provinces de l'Est de la RDC en est à sa 2e session. Au cours de son séjour de travail, le conseil principal en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction a inspecté la rue Père Jérôme pour la 1e fois. Après près de 6 mois que le gouvernement provincial du Nord Kivu a décaissé tout le fonds destiné pour l'asphaltage de la dite rue, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constantin Ndima Kongba, a dépêché sur place son conseiller principal en charge des finances et reconstruction, Maître David Kamoua Moussoubao, pour évaluer l'état d'évolution des travaux. Nous sommes malheureusement déçus de constater que les travaux n'évoluent pas dans les vitesses que nous aurions souhaitées, suite à la pluviométrie de Butembo, puisqu'il pleut tous les jours ici malheureusement, mais suite également à d'autres facteurs que nous ignorons. Donc ça fait 4 mois que nous aurions pu déjà obtenir la route totalement stabilisée, mais nous venons de constater avec la société que jusque-là, c'est seulement 600 mètres qui sont stabilisés, et nous allons faire le rapport à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour prendre des décisions idoines qui s'imposent pour qu'effectivement, dans un bref délai, cette route soit réellement asphaltée pour le bien de la population de Butembo. En effet, après mesurage, seulement 600 mètres sur les 1200 mètres ont déjà été stabilisés. Faisant d'une pierre deux coups, Maître David Moussoubao a visité l'usine d'asphalte du gouvernement provincial du Nord Kivu installée à Katoa pour se rendre compte de son état afin qu'elle serve la société lors de l'étape de goudronnage. Nous sommes satisfaits de constater qu'on est déjà en train de chauffer le produit qui va faire l'imprégnation à partir de demain, et l'ingénieur nous a confirmé que la semaine prochaine, il est déjà capable de faire tourner l'usine pour que l'usine puisse nous produire les arrobés. J'ai moi-même vu le stockage des arrobés, on nous dit qu'il y a un stock disponible pour 500 ou 600 mètres, ce qui est déjà positif et ça nous donne de l'espoir. Le 5 novembre 2020 s'est clôturé dans la base militaire de Kitona un séminaire de 5 jours à l'attention des commandants des écoles militaires, centres d'instruction ainsi que leurs directeurs d'instruction. Organisé par les services d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, CK Sansig, appuyé par l'Institut d'Alert, qui avait pour thème la formation des bases sur la prévention du recrutement et l'utilisation d'enfants comme soldats. Tout a commencé par l'hymne national, la présentation de différentes leçons puisées dans les matières apprises par les récipiendaires, le mot de clôture prononcé par les commandants de la base militaire de Kitona, adjoint en charge d'administration et logistique. Nous remercions et nous encourageons notre partenaire de continuer à nous soutenir comme il vient de nous dire. Et à la même occasion, nous félicitons les officiers qui ont suivi avec attention cet atelier. Et au nom du commandant Baki et nous représentants aujourd'hui, nous déclarons l'atelier clôturé. Mot de remerciement prononcé par le représentant du commandant du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale, CK Sansig. Interview accordée aux représentants du commandant général des écoles militaires ainsi qu'à l'officier de liaison de l'Institut d'Alert en ce terme. Exactement, nous sommes à Kitona pour un séminaire pour l'objectif de transmettre les grandes connaissances liées au recrutement et à l'utilisation de l'enfant comme ça. Le séminaire est la suite logique d'un séminaire que nous avons commencé avec CECAS il y a une année. Nous venons continuer, n'est-ce pas, ce séminaire, mais avec un aspect particulier sur le recrutement et l'utilisation des enfants comme soldats avec comme partenaire, n'est-ce pas, l'Institut d'Alert. Les mots, c'est que nous voulons qu'in fine, les instructeurs et commandants des grandes écoles arrivent, n'est-ce pas, à transmettre fidèlement les matières qu'ils venons de les transmettre totalement dans les chefs des militaires congolais qu'ils sont en train de former ici. Parce que nous allons observer leur comportement positif dans les jours à venir, quand ils seront dans les opérations, quand à ce moment-là, ils seront en face. C'est ça l'objectif ultime de ces séminaires. Nous pensons que les 5 jours passés ici ont été pour nous un succès parce que les objectifs que nous sommes assignés dans ces séminaires ont été atteints en transmettant les 15 modules prévus dans le programme. Je réponds au nom de M. Arsène Mukendi. Je suis formateur ainsi qu'officier de liaison au sein de l'Institut d'Alert pour les enfants, la paix et la sécurité. L'objectif était d'abord de venir former les instructeurs des écoles militaires sur la production, le recrutement et l'utilisation d'enfants comme soldats. Mais c'était une formation de base qu'on a donnée. Et cette formation a duré 5 jours. Ici, en RDC, c'est depuis novembre 2020 que le pays a adhéré aux Principes des Vancouver. Et les Principes des Vancouver parlent plus sur les opérations du secteur de sécurité dans des missions de maintien de la paix. Le travail ici a commencé au début de 2020. Nous avons commencé par des formations destinées aux officiers des FARDC. En 2020, nous avons pu former 50 officiers et après, il y a eu d'autres formations. Alors, c'est juste une continuation de nos formations que nous faisons ici au sein des écoles militaires. Mon dernier mot est le suivant. Nous pensons qu'à travers cette formation, qu'il puisse y avoir un changement de mentalité, un changement de comportement dans le militaire. Parce que ici, ce que nous prêchons à chaque fois, c'est que le militaire puisse voir un enfant recruté et utilisé comme soldat, comme une victime, et non comme un ennemi sur les champs de bataille, parce que l'enfant était là sur les champs de bataille, pas par son propre choix. Il y a plusieurs méthodes d'enlèvement d'enfants. Alors, c'est ces changements de mentalité, ces changements de comportement que nous sommes en train de chercher au sein des militaires. Le champ d'action des Dallaire est divers, c'est divisé en 4 piliers. Il y a l'éducation, il y a la formation, il y a le plaidoyer, il y a des recherches. Donc, nous allons toujours continuer à travailler avec les forces armées. Les stagiaires et corps professoral de l'école de guerre de Kinshasa étaient en visite ce jeudi 4 novembre à l'état-major de la garde républicaine située au Mont Galima dans les encablures de la cité de l'Union africaine. À l'arrivée, la délégation a été installée dans la salle de réunion pour quelques explications sur l'aperçu de la garde républicaine. Prenant la parole pour la circonstance, le chef d'état-major de la garde républicaine, le général de brigade Kabikiriza Ephraïm, représentant personnel du commandant garde républicaine empêché, a fait un exposé sur la garde républicaine en 5 points. D'abord, en commençant par l'aperçu historique, où il a parlé de la création de la cavalerie présidentielle. Après l'indépendance, en passant par la brigade spéciale présidentielle, la division spéciale présidentielle, puis la garde présidentielle, le groupe spécial présidentiel, la garde spéciale présidentielle, jusqu'à la création en 2005 de la garde républicaine à nos jours. Ensuite, le général Kabikiriza a présenté la mission de la garde républicaine selon la constitution de la République et la loi portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine. À savoir, mission générale dévolue aux forces armées de la République démocratique du Congo, la défense de l'intégrité territoriale. Et la mission spécifique, celle de protéger et sécuriser le président de la République, sa famille, ses biens, ainsi que ses hôtes de marque jusqu'au sacrifice suprême. En cas de nécessité, la garde républicaine participe au maintien de l'ordre public. Par la suite, le chef d'état-major de la garde républicaine a présenté l'organisation de l'unité. Il a signifié aux stagiaires et corps professoral de l'école de guerre de Kinshasa que la garde républicaine sur le plan opérationnel dépend du commandant suprême et chef de l'État. Sur le plan administratif et logistique, la garde républicaine dépend du chef d'état-major général. Et pour ce qui est de la mise en condition, la garde républicaine dépend de la maison militaire du chef de l'État. Le tribunal militaire des garnisons de Ndjili, siégeant en foraine, a tenu les procès sur l'affaire opposant les capitaines Tchenge et les sergents Kambale, suivant les faits qui se sont déroulés en date du 17 juin 2021 à l'état-major de la 11e brigade de réaction rapide située à Maluku. En effet, le sergent Kambale était poursuivi pour 5 chefs d'accusation, à savoir abandon de poste, violation de consignes, outrage au supérieur, tentative de meurtre et détention illégale d'armes et munitions de guerre. À cet effet, le tribunal militaire de garnison de Ndjili, avec le concours du ministère public, a condamné le prévenu à 18 ans de servitude pénale principale avec la peine la plus forte, soit la peine de servitude pénale à perpétuité pour tentative de meurtre. Au terme de cette audience, le général des brigades Kizou Moumboui Oustazin, commandant de la 11e brigade de réaction rapide, s'est livré devant notre caméra. Et la raison ne peut être autre que la recherche de la discipline dans le rang des militaires de la 11e brigade de réaction rapide, dont je suis le commandant brigade. La justice militaire, c'est une institution qui renforce la discipline dans le rang. C'est pratiquement une institution d'appui au commandement. Donc la justice militaire est là pour nous aider à corriger ces failles. C'est donc la plus grande raison de leur présence aujourd'hui, parce qu'il y a un militaire qui s'est méconduit jusqu'à braquer son commandant compagnie l'arme, et pour des raisons qui ne sont même pas d'ailleurs fondées. Alors nous n'étant pas de juges, nous avions estimé que le juge devrait être là pour comprendre les circonstances dans lesquelles le militaire avait agi. la discipline est la mère des armées. Voir quelqu'un se comporter comme quelqu'un qui n'a pas appris la discipline militaire, ça fait mal au cœur. Je leur lance ce message et je demande à ce que chaque militaire soit en tout cas discipliné, qu'il respecte les lois du pays, qu'il respecte le règlement militaire. C'est ça la force de l'armée.